Bonjour la famille. Il y a des secrets que je ne vous ai jamais dit. Mais aujourd'hui, je vais vous les dire. Les plus beaux secrets que j'ai toujours cachés, aujourd'hui, je vais vous les relater. Surtout à mes frères et sœurs qui sont encore en Afrique. Vous qui espérez venir vivre ici au Canada. Franchement, le Canada, c'était un beau pays. Parmi les plus beaux pays du monde, je pense que le Canada a fait partie. Aujourd'hui, au moins, je vous fais la vidéo ici. Si vous voyez les targets, l'objectif du Canada à l'année 2020, ils avaient un plan d'avoir des immigrants ici au Canada, plus de 341 000. 2020. À 2021, ils ont augmenté à 411 000 immigrants au Canada. À 2022, à 421 000, malgré Corona, 421 000 immigrants. Mais ce qui est bien dans tout ça, à vous qui espérez venir ici au Canada, étudier surtout comme étudiant international, le Canada a toujours, dans tous les nombres ici, le Canada cherche au moins 27%, dans les nombres que je viens de citer ici, 27%, ce sont les étudiants que le Canada est en train de viser dans l'immigration. 27%, ce n'est pas une patate douce, 27%, c'est un grand nombre. Et puis, attaque étudiant international. Vous savez que étudier au Canada, je peux vous rassurer que c'est la façon la plus facile d'obtenir une carte de résidence permanente. C'est pour cela que j'ai fait la vidéo ici, à vous disant que les réseaux qui font que étudier au Canada est bon. Puisque quand vous étudiez au Canada, attaquez étudiant international, c'est ma étudier au Canada, vivre au Canada. Dès que vous êtes à l'école, c'est déjà un pas pour avoir les documents de la résidence permanente, des documents du Canada. Juste aller à l'école. Et puis, il te fait combien de temps? On compte le nombre d'années. Je pense que quand vous avez déjà 2 ans et demi, vous pouvez appliquer pour une résidence permanente. Pendant 3 ans, souvent ça compte 3 ans. Mais quand vous avez déjà 2 ans et demi, vous pouvez déjà commencer à vous préparer pour appliquer. Pour recevoir votre carte, pour être maintenant canadien. Et puis, dans tout ceci, j'ai lu quelque part sur Internet, sur ISS. Si vous tapez ça, ISS, ça montre qu'il y a même comme les étudiants sont devenus tellement les éléments attractifs du gouvernement Canada. Le gouvernement Canada, même aujourd'hui, un étudiant peut appliquer, un étudiant international, tu es encore en Afrique comme étudiant, tu peux appliquer, il y a des programmes auxquels tu peux appliquer pour que tu puisses venir ici. Tu peux appliquer comme un Federal Skill Worker, il y a un programme qu'on appelle Federal Skill Worker. Tu peux appliquer aussi au Federal School Trade Programme, tu peux appliquer aussi au Provincial Nominee Programme. Tu peux aussi appliquer au Canadian Express Class. Mais ça, ce sont les détails que je vais vous faire dans une autre vidéo qui sera vraiment propre aux personnes qui veulent vraiment immigrer ici, attaquer des travailleurs. Ça, c'est un sujet que je vais faire vraiment à part. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ceci. Même, il y a les gens qui m'ont posé la question. Est-ce que attaquer étudiants internationaux, est-ce que nous sommes les étudiants sont ouverts à travailler pendant qu'ils sont à l'école? La vérité est que oui, vous êtes permis à travailler, mais vous travaillez seulement, je pense, 20 heures par semaine pendant les études. Mais pendant les vacances, pendant les grandes vacances, vous pouvez travailler comme vous voulez, temple comme vous voulez, puisque c'est pendant les vacances. Mais pendant les cours, pendant votre année académique, vous avez l'autorisation de travailler 20 heures du temps par semaine. Vous voyez. Et il y a aussi ce qu'on appelle
Il y a qui me pose, il y a aussi les permis de travail. Les permis de travail, il y a deux types de permis de travail. Ce sont les choses que je vais développer dans la prochaine vidéo. Mais je vais les passer en revue. Je m'en vite, vite. Il y a deux sortes de permis de travail. Il y a le travail qui est ouvert et qui est fermé. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle en français, mais on dit closed and open. So, ce qui est close, ce qui est fermé, c'est quand tu es engagé par un employé. Une compagnie t'engage à partir d'ici. Ça c'est permis de travail fermé. Mais ce qui est open, ce qui est ouvert, toi seulement tu cherches du travail par toi-même. Ce n'est pas une compagnie qui t'engage, mais toi-même tu cherches du travail. Et puis quand tu travailles avec, tu viens ici, tu commences à travailler avec la compagnie, puis la compagnie peut te sponsoriser. Ce sont des détails que je vais énumérer dans la vidéo prochaine. Mais la vidéo ici, vraiment, je voulais seulement parler aux étudiants qu'il y a beaucoup de chances, surtout vous les étudiants internationaux, d'obtenir la carte de résidence facilement, puisque le Canada, d'abord, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, c'est un pays où beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs vont à la retraite. Ici, les gens ne font pas des enfants. Les gens ne font pas d'enfants. Il y a les gens qui sont vraiment dans qui travaillent pendant plus de 50 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, il y a la vieillesse qui tue le monde du travail. Alors, quand vous êtes étudiant, vous êtes jeune, vous avez de l'endurance, vous êtes tellement un homme qui peut s'adapter à tout, le gouvernement, je pense que les pays comme le Canada a besoin de vous, puisque le Canada a besoin de la jeunesse, de rajeunir ce système du travail, puisque tout le monde va à la vieillesse. Les gens ne font pas des affaires ici. Alors, quand tu es étudiant international ici, tu as beaucoup plus de chances d'appliquer, d'avoir une carte, d'avoir tes documents plus facilement, comme vous le croyez. Ça, c'est ce que je crois et je suis sûr que c'est normal. Alors, comme je vous ai toujours dit dans d'autres vidéos, le système d'abord éducatif du Canada, franchement, c'est parmi les meilleurs du monde. Nous avons les universités comme McGill, Université de Montréal, de Montréal, Université de Colombie-Britannique. Il y en a tellement plein. Et puis ce ne sont pas seulement des universités, ce sont des universités vraiment qui ont fait des personnalités mondiales. Ce sont vraiment des belles et des grandes universités. Si vous y allez, vous êtes sûr que vous allez vraiment vous retrouver facilement. Il y en a beaucoup, beaucoup de témoignages de part dans le monde, surtout dans le monde africain. Il y a les gens qui sont passés dans des universités là, ils ne vont pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. Il y a les universités qui sont toujours qui sont à la pointe, qui sont updated, qui font toujours les mises à jour. Ce ne sont pas comme d'autres universités, malheureusement, dans nos pays d'origine où il n'y a pas les mises à jour. On utilise les mêmes éditions pendant plus de 5 ans. Mais ici même, moi-même, j'ai fini l'année passée. L'année ici, tu ne peux même pas acheter les livres de quelqu'un qui a fini l'année passée parce que ce n'est plus à jour, c'est déjà dépassé. Vous achetez l'édition nouvelle édition parce qu'il y a des choses qu'on a augmentées dedans. Maintenant, imaginez, à chaque fois que vous allez à l'école, il y a des nouvelles choses qui s'augmentent parce que le monde augmente, le monde évolue, la technologie aussi change. Il y a des choses qui s'améliorent du jour au jour. Alors, quand j'ai toujours appeler à la jeunesse africaine de saisir cette opportunité de faire des études ici, d'étudier, et puis s'il y a moyen un jour dans le futur d'aller développer aussi chez nous, d'aller apprendre aussi ce que vous nous avez appris ici à nos frères et sœurs qui sont encore là, ça sera du bien. C'est pour cela que j'ai toujours fait des vidéos pareilles pour appeler à nous, la jeunesse, que ce soit les femmes, les frères, tous ceux qui ont besoin d'aller à l'école, de saisir de l'opportunité, puisque la porte est ouverte à tout le monde. Que ce soit jeunes et vieux. Ici, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. Je vais à l'école avec les gens qui ont 20 ans. Il y a des gens qui ont 50 ans dans la même classe. Donc ici, il n'y a pas de retard.
si vous avez le temps, les moyens de vous de prendre les relèves aujourd'hui, de retourner à l'école pour quelque chose de bien dans le futur, c'est le moment de le faire. Quant à moi, je vous dis, on se revoit dans la vidéo prochaine. Toujours dans les bons, partagez la vidéo, commentez, likez si vous aimez la vidéo. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.